Salut. Ouais, c'est Kera. Le nouveau boss est déjà sur place. On se met en route tout de suite. Ok, tout le monde. Horizon Australie commence aujourd'hui. On doit livrer ses voitures sur le site du festival de Byron Bay. Salut à tous, ici Scott Tyler pour vous accompagner. Nous sommes en direct d'Horizon Australie. Après avoir parcouru la moitié de la planète, nous voilà enfin arrivés. Il suffit d'un seul coup d'œil par la fenêtre pour tomber en extase devant les plages. Je vous le dis, l'hémisphère sud, c'est trop cool. Même les plus difficiles seront pas déçus. C'est grand, c'est plat, et les routes qui s'étendent de part et d'autre nous ouvrent les bras. Au programme, vitesse, musique de gueulin, chaleur estivale, course à toute blinde. Voiture de collection, journée palpitante, journée hallucinante, comme brûlée, soirée de ouf, et faute surprenante, ça déchire grave. Alors ne loupez pas ça, venez avec nous, habillez sur le champignon et précipitez-vous en Australie pour participer au festival le plus grand et le plus déjanté de toute l'histoire d'Horizon. Attention! Hors de mon chemin! J'ai 800 chevaux avec moi et je n'hésiterai pas à les utiliser! La révision des freins, Warren. Je t'ai laissé ce truc pour faire la révision des freins. Salut, Kera! Qu'est-ce que tu racontes? Un problème avec les freins? On rejoint Byron Bay par la Great Ocean Road. S'il vous plaît, ne faites rien de stupide. Come on.
La presse locale voudrait une photo. Allez, un petit effort. Ok, et tu veux que je t'appelle comment ? Ok, super. Je peux t'appeler Sylvain, alors ? Salut, Sylvain. Qu'est-ce que tu dis de cet endroit ? On ne dirait pas comme ça, mais cet été, tu vas en faire le plus gros festival Horizon de tous les temps. On a une équipe d'enfer pour la logistique. Pour tout le reste, c'est toi qui gères. Tu dois choisir les courses qu'on fait, la musique qu'on joue et les pilotes qu'on engage. C'est ton festival. Bon, je sais qu'on vient juste d'arriver, mais la toute première épreuve commence dans quelques minutes et je t'ai réservé une place de choix. Tu affronteras cette Jeep au volant du buggy pour l'épreuve inaugurale. J'ai voulu démarrer par un adversaire modeste. Ça fera un bon échauffement. Quoi ? J'ai dit modeste, par hasard. Des gens qui vivent dans ces baraques, fais gaffe! Dépose-moi!
La fiesta ne pouvait pas mieux commencer. À ce rythme, on va bientôt devoir songer à étendre le site. Boss, c'était dément. Mais ce n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend à Horizon Australie. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On remet ça? Ça, c'était de la course, boss. Moi, c'est Warren, le tragédien automobile local. Je sais que t'as un festival à gérer et des courses à gagner, mais c'est moi qui gère le garage. Alors, s'il te faut quoi que ce soit en rapport avec la voiture, je suis ton homme. Ah, dernière chose avant d'y aller. Kera dit que tu souhaiterais peut-être conduire la... Centenario? Le festival commence à attirer un paquet de pilotes renommés. La plupart d'entre eux rêvent de se mesurer à toi sur la piste. Je te propose d'exaucer leurs souhaits. J'ai repéré un pilote qui a du potentiel. Trouve-le, bats-le en course, et on pourra engager son drivatar dans la sélection du festival. Bonjour Sylvain. Votre itinéraire est défini vers la zone où vous trouverez le drivatar. Ça, c'est une entrée en matière fracassante. Je connaissais les véhicules tout-terrain, mais j'ignorais que cette appellation regroupait aussi les véhicules tirés du sol par un hélicoptère. C'est notre nouveau boss en pleine action. N'oubliez pas de le saluer. Nous sommes prêts à admirer tes prouesses, boss. Fais monter l'adrénaline, je m'occupe de la musique. Chers auditeurs, restez sur Horizon Pulse et profitez des tubes. Restez à gauche.
travail. Il est temps de l'engager dans ta sélection. Plus les pilotes qui rejoignent ta sélection sont bons, plus ils attirent de fans sur le festival. Je te tiens au courant dès que je repère une recrue potentielle pour ta sélection. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Restez à gauche. Pour attirer les fans et dénicher des pilotes, il va falloir participer à des courses. Mais pour ça, il te faut une caisse. La FX Ute. Plus australien, tu meurs. Le véhicule idéal pour faire la course et caser ton matériel de camping. Ça te dit une plaque personnalisée? De quoi refléter ta personnalité en 8 caractères, ou moins. Ce festival Horizon va être énorme. Ce sera du jamais vu. Il faudra qu'on étende le site du festival. Mais pour ça, il nous faudra des fans. Et pour attirer les fans, tu devras donner de ta personne en participant à des courses et des coups de pub. Les éclaireurs du festival se sont donné beaucoup de mal pour cartographier les points d'intérêt avec ces marqueurs. Définis un itinéraire vers un marqueur et va découvrir de quoi il s'agit. Je bosse dur pour faire venir un tas d'artistes et de labels. Mais c'est toi qui vois, boss. Le choix t'appartient. Va pour Block Party. Je m'occupe du contrat. Ensuite... Horizon Bass Arena, c'est comme si c'était signé. De la bonne électro pour l'été. Tous les ingrédients sont réunis pour faire la course ici. Rejoins le marqueur pour commencer. Bon, les gens veulent te voir courir. Alors je te propose de commencer par une course d'exhibition. Yeah.
Bien joué, boss. Belle victoire. J'espère qu'elle en appellera plein d'autres. C'est pour ça que je m'occupe de l'organisation et toi du pilotage. Bonjour Sylvain, je suis votre assistante de navigation naturelle autonome. Vous pouvez m'appeler Anna. L'équipe technique d'Horizon m'a améliorée lorsque nous étions à Cambridge. Je vais vous recommander des activités et vous guider à travers l'Australie. Voulez-vous que je calcule un itinéraire vers la prochaine activité maintenant? Super! Si vous avez encore besoin de moi, appuyez simplement en bas sur le BMD. Tournez à gauche. C'est seulement sur... À 400 mètres, salut, tournez à droite. Scott Tyler sur Bass Arena. Grande nouvelle! Byron Bay a fait son entrée sur la carte. Ah oui, je sais qu'elle figurait déjà sur les cartes de l'Australie, merci. Non, elle apparaît officiellement sur la carte d'Horizon. En fait, c'était déjà le cas, sinon comment les pilotes auraient pu se ramener ici? Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que c'est... énorme! Bon! Le site s'est étendu, c'est gigantesque. Voilà un panneau danger. Il annonce une zone à risque que nos éclaireurs ont repérée et délimitée pour ta sécurité. Ou pour trouver plus facilement les meilleurs endroits où réaliser des cascades de malades. À toi de voir. Vous avez atteint votre destination. Toujours en vie, boss? Génial, ils ont adoré. Je vais demander à nos éclaireurs d'en trouver d'autres. En attendant, je dois appeler notre compagnie d'assurance. Ça va chauffer. Faites demi-tour dès que possible. Salut Sylvain! Il s'agit d'une course sur circuit. Une piste tout en asphalte, un nombre de tours défini. C'est simple, non? C'est sur Horizon, Bass Arena.
vers le défi collector le plus proche en cours. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Restez à gauche. À 200 mètres, restez à droite. Restez à droite. À 400 mètres, tournez à gauche. Voilà ce qu'on appelle les zones de drift. Joue du volant et du frein à main pour drifter le plus longtemps possible entre les drapeaux. À 100 mètres, tournez à gauche. Salut Sylvain. Les défis Collector Horizon, c'est l'occasion de se poser des questions existentielles. Si c'était ton dernier jour sur Terre, imagine quelle voiture tu choisirais et ce que tu ferais avec. Bien, alors prends cette caisse et fais-le. Pas la peine de me remercier. So much news, but your pants. A girl starts walking, guys start walking.
Collector sont bons pour les coups de pub et pour attirer les fans. Et bons pour l'âme, je crois. Horizon Block Party, fournisseur officiel de hip-hop pour le Festival Horizon. Un panneau bonus est à proximité. Voulez-vous que je calcule un itinéraire pour y aller ? Obtenir des étoiles avec les coups de pub est un bon moyen de gagner des fans. J'ai calculé votre itinéraire jusqu'au coup de pub le plus proche. À 100 mètres, tournez à gauche. Ok. Calcul de l'itinéraire vers le site du festival le plus proche en cours. Faites demi-tour dès que possible. À 200 mètres, restez à droite. Restez à droite. À 400 mètres, déportez-vous sur la droite. Restez à droite. À 400 mètres, déportez-vous sur la droite. Restez à droite. Vous avez atteint votre destination. Calcul de l'itinéraire vers le coup de pub le plus proche en cours. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Restez à gauche. À 200 mètres, restez à droite. Restez à droite. À 200 mètres, prenez le virage serré à droite. Prenez le virage serré à droite. À 100 mètres, restez à gauche. À 100 mètres, tournez à gauche. Vous avez atteint votre destination. Pas mal, hein?
c'est moi qui ai eu l'idée. Les fans ne viennent pas à Horizon pour voir des bagnoles rivées au sol. Impressionnant, boss. 2 étoiles. Une pour la prouesse, l'autre pour avoir survécu. Peut-être qu'il vaudrait mieux un moteur plus puissant pour tenter 3 d'un coup. Organisez des épreuves pour gagner des fans. J'ai calculé votre itinéraire jusqu'à la course la plus proche. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 100 mètres, tournez à droite. Vous avez atteint votre destination. Les fans adorent les exhibitions et les prouesses à la chaîne. Ils ne veulent pas juste te voir gagner, ils veulent aussi te voir le faire avec style. Arrête de tricher.
être temps de s'étendre hors de Byron Bay. Les fans débarquent de partout. Ils traversent même l'océan pour rejoindre Horizon. Je vais avoir besoin de ton avis. J'ai indiqué plusieurs sites potentiels sur ta carte. Surfer Paradise. Des gratte-ciels, des passages étroits, des courses de rue acharnées. Et je ne te parle pas des vagues. Ou l'outback. Du sable rouge, du ciel bleu, des pistes tout-terrain d'enfer et des serpents qui n'hésiteront pas à te tuer si tu ralentis ne serait-ce qu'une seconde. Horizon Surfer Paradise. Je m'occupe de tout pour que la fête soit belle. Libre à toi de traîner un peu et d'arriver légèrement en retard. Vas-tu nous rejoindre cet été pour étendre ton festival à travers l'Australie? Voici Horizon en ligne. Horizon en ligne, terminé en tête ne fait pas tout. En pilotant proprement, avec style et en nous en mettant plein les yeux, tu peux gagner autant d'XP que le type de devant. Trois façons de jouer s'offrent à toi. En aventure en ligne, on te propose un tas d'épreuves géniales à travers tout le pays. Tes amis et toi êtes plongés directement au cœur de l'action. Tout ce que vous avez à faire, c'est de piloter. La balade libre en ligne te permet de choisir ta propre aventure. On vous lâche, toi et tes potes, sur cet immense territoire sauvage. Sors tes voitures du garage, participe à des épreuves, relève des défis collecteurs ou contente-toi d'une virée jusqu'au coucher du soleil. Et maintenant, pour la première fois, tu peux jouer à la campagne d'Horizon en coop. Avec tes potes, faites d'Horizon Australie le plus grand festival Horizon de tous les temps. Et tout ce que tu fais en coop te permet de progresser dans la campagne solo. Alors n'hésite pas. It's dark just to start the show. Then you spot a fine woman sitting in your row. She's dressed in yellow. She says, hello, come sit next to me. Les mix. Ok. Calcul de l'itinéraire vers le site du festival le plus proche en cours. Ok, calcul de l'itinéraire vers le défi collector le plus proche en cours. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Mètres, déportez-vous sur la droite. Restez à droite. Nouveau calcul de l'itinéraire. Vous avez atteint votre destination. Bossy.